Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 13ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors, je vous avais essayé la dernière fois, c'était le foutoir total. On avait fait énormément de bastons, dont certaines que j'avais cru rater. Genre par exemple celle où on a fait quoi, c'était quoi, 50 bandits des montagnes contre 27. Ouais, c'était n'importe quoi. On a fait aussi un tournoi qu'on avait réussi. On avait réussi... D'ailleurs, on est en pleine guerre et, tout le monde fait la fête au château, ce qui est absolument pas normal, on va dire. C'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, il y a tous les comtes ici qui se baladent. J'aime bien. Lui, c'est un comte, mais il est habillé comme un paysan. C'est pas grave. Donc voilà, il y a vraiment tout le monde. Il va y avoir le roi, il est là. Coucou, comment ça va? Alors, qu'est-ce que vous faites? Ok, d'accord, comment va sa guerre? Ok, bon ben nous il faut qu'on gère un petit peu. Là on est à 34 sur 60. Ah, on est à 60 mecs. Ah non, 34 sur 60 c'est... Ouais non, c'est le nombre de personnes que j'ai. Je peux en avoir 60 mais on est que 34 dedans. C'est comment dire, il faut vraiment que je récupère des volontaires. On va du côté du DLS. Pouah, c'était chaud, c'était chaud. Oula! Il y a tout le monde qui se barre. Ah, peut-être que je les suive. J'y suivrai une fois que j'aurai récupéré quelques petites personnes. Il y a tout le monde qui se barrait là-bas. On va essayer de les... Oh, on va essayer de les rejoindre. Inventaire. Ah, j'ai oublié de vendre. Faut que je vende. J'ai combien en or? 10 000? Oh. Ah, c'est vrai que je m'étais fait pas mal de thunes. Dans l'épisode précédent avec le tournoi. Qui a été très intéressant d'ailleurs. On y va. Toc. Ok, d'ailleurs, c'est trop. Voilà. Marchande bien. Et boum. Bientôt, j'investirai dans un super équipement. Pour mon mec. Alors, attendez, je vais juste regarder. On est niveau 14 avec 55 points de santé, c'est vraiment pas mal ça. Ce qu'il faudrait, c'est que j'augmente ma santé. Il faudrait peut-être que je me trouve un bouclier. Un bouclier, ça pourrait être cool. Ok, 41, c'est bien. On va aller du côté de Pagundur. On va aller voir ce qui est... Dans quel état est notre village? On va voir ce que ça donne. En espérant qu'il n'y ait pas de... comment ça s'appelle? De personnes malveillantes de soi dit. Je crois que c'est Swadia, je sais plus. Alors, Pagundur, où est-ce que ça en est? Je vais voir où est-ce que sont les mecs aussi, d'ailleurs. Ah ah, là, on dirait que ça vient par là. Gérer ce village. La construction sera vue dans 57 jours. C'est génial, je trouve ça génial. La pauvreté du village de Pagundur est insupportable. Et en plus, il m'aime pas trop. Le peuple, c'est génial. On m'a filé le meilleur comment dire, on la suit ou une fuite, le meilleur village possible. Impressionnant. Juste voir mon rapport. C'est
Budgétaire. Moins 60. C'est pas grave, moins 60, c'est pas si horrible. Alors, à piller ce village, je me prépare à... Ouf, chaud, c'est passé. 50 deniers, c'est tout? Ah, par contre, ça c'est cool. Ça c'est vraiment très très cool. C'est exactement ce qu'il faut. Ah, les pillages. Ça c'est vraiment bien. Par contre, maintenant, faut se tirer. Ah, quoique. Ah, attendez, là, il y a des têtes de bétail. Mener le bétail à destination. Qu'est-ce qu'on fait hein? 5,1. Non, il me fuit. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas à destination? 29 sur 30. Truce between Royaume des Rodoks et Sultanat des Saranides a expiré. Donc j'espère qu'on va pas encore se taper une baston. En plus, parce que sinon ça va pas le faire. Donc là, ouais, j'arrive. En train d'être pillé, il faut vite que j'y aille. "62? Ah non, c'est pas drôle. Ouais, il s'est arrêté. Voilà. C'est un petit groupe d'ennemis, tu dis? Non, tu pilles pas. Tu peux pas m'aider? Enfin, je sais pas, y a pas quelqu'un pour venir m'aider? Il est en train d'être pillé, mais il est pas en train d'être pillé, il est en train d'essayer de me courir après. Le truc, c'est qu'il a pas mal de milices. Je me tâte en fait. Je me demande est-ce que je l'attaque ou pas, parce que ça se risque d'être vraiment trop risqué, et en même temps, Pagundour... Il est déjà suffisamment pauvre comme ça, vas-y. Oh, bon allez, laisse tomber. Je suis pas encore de super armée. C'est parti. Donc là, il faut que je vende tout ce foutoir. Wow, non mais là je vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir tout vendre. Ah ça y est. Non mais c'est monstrueux l'argent que je peux me faire. Alors là ce qu'on pourrait essayer de faire c'est de se prendre un gros casque. Oh, ah non, vu le prix... vu le prix non ça va pas être possible. Plus 49 et plus 14 à 5000. Ah oui, quand même. Plus 49 et plus 13. Rien de ça, pas mieux. Non, l'armure cerclée est pas mal. Jusqu'à un poids de fou, mais... Je devrais payer 4000 deniers. Bon, non, on va vendre des trucs, hein, parce que je paye pas 4000 deniers comme ça, moi. Il y a beaucoup de bouffe. J'ai vraiment beaucoup de nourriture. Je vais peut-être pas... Est-ce que je garde tout? Voilà. On va faire ça comme ça déjà. Tiens, d'ailleurs, le marchand d'armes. 7000 à demain. 7000, ça fait beaucoup quand même. Avec un coup de 44, une allonge de malade, un coefficient de vitesse qui est assez important, et qui peut faire de les stocks avec un coup impressionnant. Allez, on va essayer de changer un peu la donne.
Et la poterie, tiens. J'ai payé 6000 deniers, il va falloir que je repille des villages. 42. Oh mon dieu, 42, le chiffre de la vie, il ne peut que gagner. Non, c'est pas le chiffre de la vie, c'est la réponse à la vie, l'univers et tout le reste. 42. Alors. Non mais. Je suis idiot. Ok. On va voir ce que ça donne là. J'espère que ça va aller. On est à combien? La 31 contre 31. Sachant que j'ai une super arme, j'ai une super armure. Il y a intérêt à ce que ça passe. Ok, ils sont tous à panard. Ok, d'accord. J'ai fait 28 points au cheval. C'est tout? Aïe. J'avoue, il a la même arme que moi. Alors, attendez, on va éliminer les tirailleurs. Oh, j'ai dit quoi? On élimine les tirailleurs. Ok, on se barre. Donc c'est que pour l'instant, j'en avais tué qu'un. Voilà. Chaud. Alors là par contre il faut vraiment que je me barre d'ici. Ils ont beaucoup d'arbalétriers. Quoi, ça va pas tuer? Que je fasse des gros tours et que j'aille plutôt vite. Aïe. La vache. Ils tiennent vraiment le coup. Fou. On est à combien? J'en ai tué 13. Voilà. Ce qu'on peut faire, hop. On va leur dire de charger. Parce que là, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Aïe. Ok, de nouveaux ennemis sont arrivés. Mais ça devrait aller. Tenez vos positions, tenez vos positions. Eh hey, oh non, pas ça que je voulais faire. Pff, chaud. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire.
Voilà. Bon, pousse-toi le cheval, il fallait que je passe. Pousse-toi. Voilà, ça y est. Il reste un mec. Ouh. Bon, elle tue un ou je rêve? Alors, attendez, on va s'occuper. Le genre de mec. Ah. Boum. Il reste plus que lui. Wouah, on a réussi, on a géré. Bon, par contre, mon cheval, il est mort, et moi, je suis à moitié vivant. Bon. Un tué. J'ai quand même une seule perte pour 39 en face. C'est plutôt badass, j'ai envie de dire. On voit que je commence à m'améliorer, et que mes troupes aussi. Oh. C'est bête, j'ai des meilleures tuniques. Puis là, je viens de me choper une méga arme de fou qui fait bien bobo. C'est très très bien. Tac. Ancien vétéran. Alors toi, il faut que je t'upgrade. Charisme augmenté. Augmenter ta vie. Voilà. Borcha est blessé. C'est pas grave. Organisation d'inventaire. Guérison de groupe, ça c'est pas mal. Équipement. Alors, est-ce que je peux pas te mettre un cheval? Non. Est-ce que je peux pas te mettre un truc meilleur? Oui, si, ça je peux te mettre un truc meilleur. Un casque. Bon, c'est plus 22, je crois qu'il y a mieux. Ouais, plus 29. Voilà. Pour l'instant, ça va déjà mieux. Bon, par contre, en fait, j'ai plus beaucoup d'argent. Je me rends compte. On va passer du côté Jelkala. Voilà, on va passer du côté Jelkala. De toute façon, mon village, il est pillé. D'ailleurs, ça donne quoi? Aucun revenu de Pagundur. Génial! Pff, ah là là. Tout pourri, ça. Il faut qu'on remonte au front. Mais il faut clairement que je reprenne des mecs. Alors, marchand, on vend des trucs. Hop. 504 deniers. On va pouvoir remonter, on va passer par là-haut. De noir, on va voir ce que ça donne là-bas. Remonter au front. Il y a des bandits de montagne qui ont peu de chances de vouloir m'attaquer. Il y a une caravane. Toc, 47. Alors, Bilandi a été pillé. 31 bandits des montagnes. Ah, il y a une cachette ici. Wow, attendez, hop, ça fait 20 minutes. Là, il y a juste des bandits des montagnes. On va se les faire d'abord. Parce qu'on a 84 contre 32, je pense que ça peut être drôle.
Alors on est censé être en montagne, c'est pas très montagnard ici. Et ça va être très drôle. Et ça sera sans doute la dernière baston de cet épisode. Déjà je crois que les deux derniers ça a été des épisodes plus longs que prévu. À cause des bastions de dernière minute. En tout cas moi ça m'éclate, c'est vraiment les parties qui m'éclatent. En plus ça fait de l'XP. Non. Ils sont avec moi ces mecs? On va peut-être les faire charger. Alors. Et boum, 97 points de dégâts, j'inflige vraiment des dégâts de fou maintenant. Il y a vraiment moyen que là, je commence à être vraiment abusé. Et oh. Je crois qu'il y a des renforts qui sont arrivés en face. Ça change à rien. À l'issue de la bataille. J'ai des lanciers vétérans en rodoc, c'est à moi ça? Il y a des mecs équipés en armure, enfin en à cheval et tout. Non, reviens là. Reste là-haut. Ça, c'est fait. Combien de pertes? 0 en phase 32. Bah ça, c'est badass. Ça, c'est tellement badass. Ah là là. Toc, plein de trucs à récupérer. Pour pouvoir revendre. Un peu d'argent, des gens à promouvoir. Et ça c'est génial, ça c'est tout à fait génial. Bon, tout va très bien pour l'instant. On va arrêter là cet épisode, en tout cas, pour l'instant ça va beaucoup mieux. On est en passe de pouvoir réaliser nos objectifs plutôt simplement, ça devrait aller. Et en tout cas, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure, en espérant qu'elle vous a plu. Allez, salut à tous !